Gary Conille, le premier ministre haïtien, qui est pratiquement un mois, peut-être un mois et demi, depuis son pouvoir, eh bien, de la parole, monsieur voulait passer aux actes. Je ne te dis hier, là, mesdames et messieurs. Nous sommes hier. Nous t'attire attention au gouvernement avec CPR. Pour nous dire fini avec parole. Parce que population, diaspora, commencer impatient. C'est ça que nous dit là. Et nous dit Gary Conille, période de grâce là, pape long. Nous besoin. Comment se senti que nous libres dans le pays, nous? C'est ça que nous dit Gary Conille hier. Et hier, nous avons exprimé un regret parce que, contrairement à ce que nous avons souhaité, et en pile monde nous avons souhaité, c'est que nous pas arrivé à aller Sodo, dans le Vierge Miracle Sodo. Et moi te dis Gary Conille, si semaine ça a passé, on dit si vacances l'ont passé, yo pas arrivé permettre que pays a libéré, c'est déjà un échec total capital. Nous l'avions dit hier. Et oui, nous l'avions dit. Et nous attirons attention, monsieur, sur le fait que la population est fatiguée, la population n'est pas qu'attendre. Message là, il est joint, monsieur. Et non seulement, moi, dit le public, mais me couper vidéo, me voyez aller. Parce que monsieur Souboud casse moi. Et moi dit attention. Nous étions là hier, nous t'attendons. Eh bien, mesdames et messieurs, hier, la primature a informé que Gary Conille pral font adresse à la nation. Tout le monde est branché. Tout le monde a demandé qui ça pral dit. Moi-même, j'ai une certitude que monsieur pas capable là, jodi, sans pas aborder question de sécurité. Et c'est pas parler pour venir parler, c'est pour lui dire ça qu'a fait. Et notamment, le m'te soldat kenyan yo, te met pied à terre, et que bandi yo, tire sou yo, m'adapte dans l'autre bagage de Gary Conille. Mais, qui t'aime dit nous? Gary Conille, monsieur, il est non pédagogie. Monsieur, il est non pédagogie. Il est non pédagogie. Hein? Monsieur, il est non démarche là-dessus. Et me dit nous ça. Non, il n'est pas d'accord avec moi. Moi, il dit nous. Gary Conille semble procéder par étapes. À la manière de René Préval, qui dans un premier temps, t'es longé carotte by bandio. Papa carotte là, monsieur. Et c'est par le bâton. Oui, bâton. Et c'est ça, monsieur, fait hier soir. Monsieur, annoncer les couleurs. Mais, je suspecte tout parce que, il faut me préciser. Déploiement, ça m'a été fait sur le masque, là, j'en fait là. Il peut être qu'à seulement une sorte de parade. Ou show-off. Non. Il y a trop de problèmes là, dans la rue, il peut être show-off avec parade. Eh bien, ce n'était pas de show-off, ce n'est pas de parade. Mais,
qui te dit non. Hier, Kenya n'a pas fait opération. C'est pour opération qu'il a fait. Négo te prend la rue pour dire là. Négo descend chez Mars pour annoncer les couleurs. C'est ça, vous faites. Et bandit pour faire une erreur monumentale. Yo tiré sur soldat kenyan. Et si après fin tiré sur soldat kenyan yo, et puis gouvernement et bien rapidement comprendre que le pas ka jouer ak nèg yo. Et faut moi dire c'est dans même moment que y a tiré sur soldat kenyan yo qui riposte d'ailleurs mais qui pas allé vraiment dans affrontement avec bandi yo. Mais c'est dans même moment que gouvernement t'a organisé un conseil des ministres. Conseil des ministres côté que mesdames et messieurs yo décrété état d'urgence s'il vous plaît sous 14 communes dans le pays, 11 communes dans la zone métropolitaine, on dit dans l'ouest, plutôt, et 3 communes dans l'Artibonite, parce que il faut mater les gangs, quel que soit côté où il est. M'a venu sous discours PM hier soir, et décision que le gouvernement prend. Mesdames et messieurs, divisé pour libérer le pays de gangs armés. Hein? Naturellement, je n'ai pas toute commune dans la tête, moi, même qu'on est Port-au-Prince là-dedans, Delma là-dedans, Tabar là-dedans, quoi des missions là-dedans, si Soleil là-dedans, Matissan là-dedans. Hein? Écoutez, je connais Kafou là-dedans, je connais Gressier là-dedans. Nous connaissons Cabaret la donne, nous connaissons Tomaso la donne, nous connaissons Gantier la donne. Nous connaissons Gampi la donne. Mais nous connaissons tout. Et Savien la donne, Tiriver la Tibonite la donne, Verep la donne, toute zone n'est contrôlée dans la Tibonite là. Eh bien, le gouvernement décrété état d'urgence. Justement, pour capable. Et mettez bandits hors d'état de nuire. Pas bien que Port-au-Prince, c'est les mêmes qui abritaient, puis gros frange bandits. C'est là tout gagnoyé pratiquement qui mettait en péril sécurité citoyenne et stabilité pays. Et sans d'abri, l'Artibonite que nous connaissons tout, qui a fait face à une violence aveugle, puisque avant-hier là encore, dans l'échange coup de zame, il y a plusieurs monde qui ont perdu la vie, dont il semblerait. Des bandits. Qui est objectif. Et d'urgence, ça, c'est rétabli rapidement l'ordre et la sécurité dans le pays. Il doit permettre tout gouvernement pour mobiliser des ressources supplémentaires et pour prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation. Ça. Donc, gouvernement qui a baillé tête de moyens légaux. Pour agir. Et il faut garder les bagailles. Pour ce Kenya descendre dans la ville, le gouvernement fait conseil des ministres, il décrète l'état d'urgence. Et vers les 9h du soir, Kaikoni frappé. Kaikoni parlait sans langue de bois. Ah oui. Sans langue de bois. Sans langue de bois. C'est ce qu'il connaît dit. Quand il connaît. Attendez, puis bambi, ça, monsieur dit. Et monsieur dit. Je vais prendre des mesures concrètes et décisives pour mettre fin à l'action bandit. Monsieur dit.
Il va prendre contrôle zone métropolitaine non. Vous avez dit oui. Monsieur font bilan de désastre que bandit au cœur d'un pays. Je parlais de comme si les gars bloquaient chaîne d'approvisionnement pays. Ils ont bloqué nord, ils ont bloqué sud. Ils ont violé Timoun, ils ont violé Grand Moun, ils ont assassiné Moun. Ils ont mis l'économie du pays à genoux. Ils ont empêché Timoun à l'école, ils ont terrorisé la population. Et bien, Gary Koni, je dis, et situation ça, qui sont situations de désastre, l'immandé, nos actions immédiates et décisives. Mesdames et messieurs, je dis, nous ne pas permettre pour Bandio continuer à prendre en otage capitale là, ni la Tibonite, ni aucune zone dans le pays. Et je dis, vous mettez l'ordre dans le pays, dans la zone métropolitaine en particulier, je dis, c'est une nécessité absolue. Je vais me faire écouter. Gaïkoni. Avant que nous fassions commentaire sur tout ça, monsieur dit hier soir, mesdames et messieurs, Gary Koni. Mes chers compatriotes, tant que nous tous connaissons, depuis plusieurs années, Haïti a fait face à une grosse crise. À ce moment, je choisis pour me faire un petit parler avec nous, clair, tant que nous connaissons. Son yon sujet qui préoccupe nous toutes sans ouete morceau. C'est causé insécurité. Groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de zone métropolitaine là, et plusieurs autres côtés de pays à Kankou la Tibonite. Groupe Mounzaïo a créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie, chaque jour dans Port-au-Prince, tourne une bataille pour survivre. Famille a vivre dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si vous n'avez pas à l'école encore, le business, vous fermez les portes. Et puis l'hôpital avec la santé, vous abandonné. La rue capitale noire, Kounia a tourné un champ de bataille. Côté un pile innocent perdu la vie, et côté l'espoir, t'as semblé beaucoup prête pour bouger. Groupe criminel Zayo, y'a pas seulement la guerre la troubaille dans la vie chaque jour, mais y'a affecté l'économie pays à tout. Route commerce bloqué, chaîne d'approvisionnement y'a perturbé, et puis investisseurs y'a tellement découragé, y'a pas intéressé à mettre l'argent dans le business encore dans le pays. Ça qui la guerre économie pays a en dégrabat. Ça crée plus pauvreté et chômage et la guerre compatriote nous deux bras pendiers sans espoir. Impact humanitaire a même, c'est pas parlé. En pile milliers de monde qui te caillent pour prendre refuge, soit car ils ont mis ou bien aux parents et surtout nous voyons ça. Dans une série de abris provisoires qui chargeaient avec mon déjà. Car des Jacques utilisaient comme une ZAM pour contrôler la communauté. Femmes actives en particulier, ces victimes principales de crimes. Ils ont souvent kidnappé, violé, et puis forcé à faire ça, ils ont fait ça en bas de la ZAM. Jacques, ils ont quitté le mac physique et psychologique qui a duré longtemps. Pas seulement sous victimes directes, mais tout sous famille et communauté. Système santé, qui était déjà faible, vient plaire avec victimes de violence et les gens qui souffrent à cause de l'effet direct de tout problème. Ça. Insécurité alimentaire paraît clair. Avec le pourcentage de malnutrition qui augmente plus tous les jours. Situation tragique, ça. Vin pi grave avec un climat impunité côté justice là va être un rêve. Corruption avec la Perez envahit institution yo qui fait les vin pi difficile pour autorité yo répondre
avec efficacité. La justice, il y a une grosse difficulté pour lui appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à faire le peuple noir en otage, ni dans la capitale, ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de pays. Remettre la sécurité à l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe transition. À ce moment, je viens annoncer nous que moi, avec le support du Conseil présidentiel, là, pour le mettre en application, il y a un ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays, une fois pour toutes. Il y a un Gary Conny, mesdames et messieurs, qui a frappé très fort. Un discours limpide, un discours, on l'a dit, d'un ton calme, mais déterminé. Et comme d'habitude, monsieur utilisait un langage clair. Monsieur parlait créole. Monsieur parlait folie parler français. Monsieur parle une folie par les Français. Ça, c'est important pour un dirigeant haïtien. Voilà. C'est tout pays à comprendre, je veux dire. Tout le monde joue. Tout le monde comprend. Et les monsieur Dou, déposez les armes. Soumettez-nous à l'autorité de l'État. Vous voyez ça, vous dit? Déposez les armes, rendez tête, nous, par la justice. Sinon, il y a marché sous nous. Et ça, monsieur dit. Oui. Et là, monsieur Dou, créole parler, créole comprend. Gary Conny, monsieur change un petit crasse parce que Gary Conny, son matin, il ne va pas français seulement le déballer. J'ai 80% français, 20% créole. Mais là, monsieur, va nous 100% créole. On a regardé, on a regardé le discours Gary Conny là. Et maman de nous partager live là. Et sur YouTube, Facebook, tout partout. Mettez accent sur ça déjà. Sur... Et forme communication, c'est important. Le dirigeant parle avec le peuple. Il faut parler avec le langage pour le comprendre. Voilà, monsieur Rivet, sur 100% monde. Ce monde ne peut pas comprendre. Qu'on a l'autre problème qu'on a. Et monsieur dit, quand elle arrive là, ça déclenche là, pas de bac là dedans. Je dis, pas de faire bac. Et monsieur dit, génération ça a une responsabilité pour mettre pour le pays en direction et passer flambeau à l'autre génération qui a venu. Je dis, il n'y a pas de personne monde tromper sur l'objectif là. L'objectif est clair, c'est libérer le pays des gangs, donc démanteler les gangs. Donc, pour si là, qui ont un petit doute sur. Et les éléments de langage de Gary Conny, eh bien, monsieur, se fait de plus en plus clair, chers auditeurs, chers internautes. Monsieur dit, Haïti, pas perdu bataille ça. Nous pas doué perdu bataille ça. Mais monsieur, tout bagay. Et, il connaît bagay la pas facile. Il n'est pas facile. Et puis je dis le pape rapide. Bon, ça c'est un discours responsable quand même. Son discours responsable, oui, ça est. Il est plus facile pour monsieur dire. Et. Non, badge, là, m'a éliminé toute gang. Mon cap bat bravo, et là, ouais. Et pourtant, on casse les dents. Monsieur fait référence à l'histoire. Ça fait déjà. Donc, son combat a commencé, mais qui a besoin de temps.
au fur et à mesure pour libérer le pays. Mais, ça nous-mêmes comme peuple, nous avons besoin des signaux clairs, nous avons besoin des actions très concrètes pour nous croire côté où tu vas mener. Et, quand il connaît, monsieur dit, il faut être réactif pour le grand pile fake news. Pour le grand pile tentative de déstabilisation. Lorsque il y a un pile monde qui vivent de ça, c'est vrai que là, il y a des gens qui sont riches là-dedans. Des policiers qui sont riches là-dedans, qui bâtissent appartements. Ou est-ce que et même qu'on est dans la zone côté moins arrêté, ça sont anecdotes. Qui ont une unité de la police là, qui demandait $30,000 américains par semaine pour sécuriser la zone.